Salut à tous, c'est Maconnor Minou, on se retrouve pour le 34e, je crois, je raconte pas de bêtises, 34 épisodes sur Pokémon Cristal Bleu. Donc on venait de battre le boss, je pense que c'était le boss, et je vous avais dit que on se retrouverait ici, après avoir soigné mes Pokémon. Donc j'ai retrouvé assez facilement les lits, hein, il suffisait en fait de redescendre un coup un escalier, un ou deux téléporteurs, un autre escalier, et bref, on était au dortoir. Donc, avant de continuer, il nous a dit de prendre le téléporteur pour récupérer les Farfadets, là. Je sais pas comment ça s'appelle, là, Créelf, Créfadet, et puis l'autre. Et ce qu'on voulait faire, je me perds dans mes pensées, parce que ce que je veux faire, c'est mettre Pingu en premier. On va essayer de le faire évoluer dans cet épisode 36, ça devrait jouer. Alors, le téléporteur, c'est ici. Est-ce qu'on va pouvoir les capturer? Ou alors, on va peut-être juste les libérer, il faudra les recapturer dans la nature. Je sais pas. J'ai coopéré avec la Team Galaxy, mais cette expérience dépasse les bornes. Ok, copain. On dirait... Excusez-moi. On dirait, vous savez, les... Les espèces de cuves... Les cuves géantes dans le premier film, là, de Pokémon sur Mewtwo. Où tous les clones étaient dans des espèces de grosses cuves, comme ça. Alors, je sais pas ce que c'est, du formol ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils clonent, vous pensez? Je n'ai rien à dire pour notre défense, mais cette chose que nous avons créée, à quoi va-t-elle servir? Mon Dieu. Ces jeux sont clos, il a l'air de souffrir. Bah oui, je pense bien. Ok, donc je pense qu'il va falloir rebattre Mathieu Chédid pour pouvoir passer. Toi, tu as fait tout ce chemin pour sauver quelques Pokémon? Ce n'est pas nouveau, mais je dois dire que... Nanana. Allez, zou. Tu as le courage de te montrer. Je vais te faire payer l'affront que tu m'as fait au lac. Ah oui, c'est vrai que je l'ai eu au lac, lui. Il a une coupe de cheveux, ça lui fait un casque de Batman. Bon, bon, bon. On fait comme tout à l'heure, on va envoyer directement Néo. Avec un peu de chance, il va nous refaire une entrave, il va perdre un tour. J'espère. Bon, Psycho, je devrais le tenir quand même. Par contre, toi, Balombre, tu vas prendre cher, bébé. Archéomir. On va être merguez. C'est dommage qu'il n'y ait pas une grande diversité de Pokémon quand même. Rien ne les oblige. Enfin, toutes les teams, rien ne les oblige à se cantonner à 5 Pokémon différents. Surtout les boss, ils devraient avoir des trucs de fou. Enfin, ils ont les moyens quand même de choisir les Pokémon qu'ils veulent. À un point de PV près, c'est abusé quand même. Parce que là, maintenant, je suis confus. Avec la chance que j'ai, je vais... Je sais pas pourquoi j'ai fait bélier, mais... J'ai envie de changer. C'était surtout pour économiser du PP avant tout, hein. Koatox, ça commence à devenir sérieux. Je vais remettre... Non, Pingu est 36, c'est bon. Il va évoluer, normalement. Koatox. Je vais laisser Merguez, c'est le dernier. Je sais que de toute façon, j'ai Kadabra à la Kazam sous la main. Et je trouve, bizarrement, et je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, mais je trouve vachement stylé quand même Koatox. Il a le style.
À savoir que là, bélier, c'était pas ce que je voulais. Hein. C'est, j'ai appuyé trop vite sur le A. Même si ça a l'air de faire son effet. Ah, depuis Clapourp, les baies citrus, c'est ma hantise. Allez, place-le juste déflagration, après je t'embête plus. Et bah pour le coup, je suis plutôt châteux parce que je suis confus. J'ai même réussi mon attaque déflagration, je me suis pas fait un seul dégât. Ça va. Imhotep. Mais bon après voilà, il y a des choses contre quoi on ne lutte pas. On va envoyer Lily, ça peut peut-être lui faire un petit coup d'XP facile. J'espère juste qu'il va pas le soigner. Ok. Ok, ça calme. Qui c'est qui a besoin d'XP? KFC? Ok. Une petite évolution. Quoi? Pinku évolue? Voilà, ça y est, nous sommes en possession du roi des pingouins. En costard. Aquajet. Alors, précision 100%. Un vive attaque d'eau. Je sais que je peux pas, bah. Ah, les tombes roches, de toute façon, j'utilise jamais. Si j'ai des Pokémon vol, j'ai toujours l'électricité. Voilà, je devrais quand même m'en sortir. Mais est-ce que je vais pouvoir les capturer moi derrière? Ou alors ils vont chacun retourner dans leur lac et puis il faudra aller les rechercher avec Surf ou un truc comme ça. Je pense que c'est un peu le délire. Allez, envolez-vous, petits oiseaux. Ou téléportez-vous. Notre chef a fabriqué une chaîne rouge à partir des cristaux qu'il a dérobés aux trois Pokémon. Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le Mont Couronné. On ne m'a rien dit d'autre, qui sait? Donc, on part pour le Mont Couronné, les enfants. Bon, ça m'aurait arrangé qu'il y ait un téléporteur magique qui nous rapporte. Oui, c'était peut-être le cas. Faut partir maintenant. Ok, bah dis-moi dégage direct. Donc on va devoir se retaper toute la descente. Oh là là. Quand tu te tapes un labyrinthe, la meilleure des choses c'est quand même. Ah bah le v'là peut-être en fait. J'ai peut-être été médisant. J'ai été médisant, d'accord. Ok. J'ai été donc, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas grave. Tchouk. On va les soigner.
Et on va donc partir pour le mont couronné. C'est où déjà le mont couronné? Je suis content là, ça avance. On avance dans l'histoire. Ça bouge. Théoriquement, il ne reste plus qu'une de ville à visiter. Bon, c'est pas que j'ai envie de finir ce let's play, mais j'avoue que c'est le moins passionnant, enfin à jouer, et sûrement du coup à regarder, de ceux que je fais. Bon, après voilà. Comme j'expliquais pour la Pokébank, alors je crois que c'est dans l'épisode d'avant, mais quand j'ai fait en sorte d'avoir mon charme Chroma, j'ai acheté en fait toutes les versions qui me manquaient pour pouvoir, avec la Pokébank, ramener les Pokémon légendaires principalement. Donc du coup, c'est des versions que j'ai bâclées. Cette version-là, je crois que j'ai même pas été au bout. Enfin diamant. J'ai jamais été au bout parce que de toute façon les Pokémon rares je les avais chopés via la GTS. Donc alors Pokémon, on va s'envoler vers d'autres cieux. Le mont couronné, il est où? Ah, on a encore tout ça à voir. Rivamar, la ligue Pokémon, ok. Ça doit être un petit bonus. L'endroit où il y a, vous savez, pour l'après. Pour s'occuper dans le jeu après la ligue. C'est pas ce que je voulais faire. Le mont couronné, il est où? C'est là-haut. Ah, c'est où ça? Peut-être un peu gogol, hein, sûrement même. Île de fer, tiens. Ah voilà, le mont couronné, c'est là. Donc on va partir à Vestigion. La bicycloute. C'est pas par là, je pense. C'est pas par là du tout, même. On a dit que c'était à gauche, donc c'est plus haut. Est-ce qu'il y avait déjà des membres de la galaxie avant? Je crois pas. Hein. Corillon, Corillon. Pangolion, il a la classe quand même. J'avoue, c'est pas mes starters préférés cette génération, mais il a la classe quand même. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé un peu. Voilà. Un peu moi et en fait, ça passe. Sa petite couronne, elle est assez stylée quand même. Ok, donc il faut monter. Là, je peux rien faire. Non, on s'en va. J'ai l'impression qu'on se trompe de chemin là.
Et ça m'énerve. On va aussi, et ça fait toujours plaisir, se taper un petit... des petits rappels là. Allez, qu'est-ce que tu fais? Mon émulateur ne répondait plus. On fuit et on va aller dans le sac. Alors, ils sont où mes petits repousses? J'ai plus de repousses. J'ai plus de repousses. Voilà. Ah, mais c'est pas des. Ce ne sont pas des soins. Ok. On va ressortir. Je pense qu'il fallait pas rentrer directement dans le tunnel, hein. Bien sûr, moi je mets un repousse quand il n'y a plus de Pokémon sauvage. On devrait tous faire ça. Eh ben écoutez, je pense que j'ai pas trop le choix en fait. C'est par là qu'il faut rentrer. Alors on va où? On va quand même se checker un petit coup la carte. On va peut-être essayer de passer plutôt par en bas. Parce que mon couronné, en fait, c'est tout ça, quoi. On va ressortir. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Alors, vol. Est-ce qu'on passe par une police ou par Charbourg? Est-ce qu'on peut passer par Charbourg déjà? Avec la bicycloute. Ah oui, il faut que je change de vitesse. Alors, on est où là? 206, je pense pas que ce soit là. 207. Ok. Bon, là, ça me dit trop rien. Déjà, on fait pas le con, on met le repousse. C'est pas là, si. Je t'ai pas battu, toi, encore? J'espère que c'est un vraiment bas level comme ça. Ça devrait jouer. 19. C'est pas normal en fait, c'est pas normal qu'on ressorte comme ça, on n'est plus dans le mont couronné là. Je vais chercher l'objet quand même.
qu'on soit pas tapé le karatéka pour rien. Vitesse plus, ok. Petit escalier. On vient au début, génial. Bon, on aura déjà gagné une balle. Alors, je crois que j'ai la capacité escalade, si je raconte pas de bêtises. J'ai vu qu'il y avait un escalier là-haut. Oh putain. C'est vraiment une plaie, hein, toutes ces CS, ça m'énerve. Ouais, je m'excuse, j'ai dû lever un petit coup mon casque. Il me faisait mal aux oreilles. Ah, j'espère que ça vaut vraiment le coup parce que. Allez! Bon. Déjà, c'est un endroit qu'on n'a jamais visité. J'ai plus de super repousse déjà. Oh! Ah ouais, avec des Pokémon 38, j'ai jamais pu venir ici. Donc du coup, on est sur la bonne route et ça, c'est cool. Du coup, il va falloir que je mette mon Ala en premier pour être sûr de que mon repousse remarche. Une petite potion max, ok. Ça pue, ça veut dire mon gars, tu apprends ta corde sortie parce qu'à mon avis, tu vas roter du sang tellement le labyrinthe va être long. Alors, pour l'instant, je pense que je gère un peu. Bon, c'est là qu'on rigole. En haut, en bas. On va essayer en bas. Bon, du coup, c'était en haut. Bon voilà, on a déjà fait un bon petit bout de chemin, on a réussi à trouver la route, ce qui était franchement pas gagné quand on connaît comment je joue. Donc ça sert à rien d'aller plus loin, dans le prochain épisode on va avancer, et je pense qu'on va finir dans le prochain épisode cette histoire du mont couronné et tout ça, ça devrait être jouable dans le prochain épisode. Donc voilà, vous oubliez pas comme d'habitude de liker et de commenter, moi j'avais presque envie de dire je vais me soigner, mais ça me fait vraiment chier de retourner au centre. Donc non, on va rester comme ça et on reprendra l'épisode juste à cet endroit-là. Allez, on fait comme ça. Allez, portez-vous bien, musclez-vous bien, c'était Makonarminou. Bye bye!